Bonjour à tous, amis Minecraftiens. On se retrouve sur le mode Pug Infinity, comme vous pouvez vous en douter. Alors là, ça devient impossible à supporter le bruit. Je vais bouger ceci. Alors les petits changements qu'il y a eu, ce n'est pas énorme. Il y a eu pas mal. J'ai labouré un peu de la terre par ici. Voilà quoi, vous voyez même, ça pousse en direct. Faire un petit décor. Alors là, ah, ça a bien poussé là. J'ai mon seau, nickel. On va en profiter tant qu'on est là. Alors c'est une petite astuce qui rend sympa pour parce qu'une fois que ça pousse, vous voyez pas trop le petit carré d'eau en dessous. Alors là-bas c'était fait, ici. Ça devrait être bon. Quoique. On va récupérer encore de l'eau. Et on va en mettre par ici. Alors là, ça devrait être bon. Un, deux. Alors il faut savoir que le centre d'eau. Ça a déjà poussé? Ouais. Oh, si, il y a bien de l'eau. Donc, alors, c'est un petit cube d'eau et c'est 4 de chaque côté. 2, 3, 4. C'est-à-dire que là, on va pas avoir assez. Alors, on va tout simplement mettre de l'eau ici et un bloc de terre. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nickel. Et normalement, après, il n'y aura plus qu'à passer un coup de houe et ça devrait être bon. Alors ça qu'on va faire, on va aller chercher du bois. Mais là c'est que du bois sombre. Et puis ces arbres-là, ils sont un peu chiants à miner. Alors je pense qu'on va aller faire une petite exploration pour trouver des armes un peu plus intéressantes. Alors j'ai une graine, je vais la ranger là où est-ce que j'ai mis toutes mes graines. Voilà. Alors on a à bouffer. Enfin, excusez-moi, à manger. Les carottes, j'en ai pas besoin. Je vais mettre ça là. Pour les cochons. Et les pommes de terre. Alors, je vais me refaire quelques outils. Je sais pas si on peut en faire. Aluminium. 3. Ah, la pelle, c'est pas besoin, mais on aura besoin d'une hache aussi. On va miner. Enfin, miner. Si on va récolter du bois. Voilà. Et en même temps, ce que je vais me faire, je vais ramasser un petit peu de bois. Pour me faire un bateau. Parce que. Alors, attendez. Non, je peux pas là. Alors on se trouve ici, là il y a des montagnes, j'ai pas envie de me balader dans tout ça. Alors ça que je vais faire, je vais aller plus par là ou par là. Comme ça je vais voir à peu près qu'est-ce qu'il y a, explorer en même temps. Alors il va nous falloir un bateau. Bon, je vais prendre un peu plus de bois parce que je pense que je vais en avoir. Alors il y avait quoi d'autre que je voulais. Ah oui, je voulais faire un lit. Je vais prendre ça aussi moi. Et me faire un lit. 1, 2, 3. Comme ça, je pourrais passer la nuit sans trop de soucis. Au son, on va pas en avoir besoin. Allez, c'est parti, les amis. En espérant trouver des petits biomes assez intéressants. Alors, est-ce que j'ai mis un repère ici? Alors, je sais plus comment on fait la touche pour les waypoints. Ça doit être celle-là, ouais. Base, on va l'afficher parce que normalement, elle n'est pas affichée. Voyons voir. Voilà, c'est bon. Il y a l'appareil sur la carte. Alors, ça risque de générer un petit peu de lag, excusez-moi. C'est parce que la map, sera en train de charger. Oui, par contre, ça, non. Ça, c'est pas cool.
On va éviter d'y aller, sinon ça va nous faire bugger. Alors, je crois qu'il y a une option à configurer pour le bateau, mais je sais pas trop c'est laquelle. Inventory, journée, mouvement. Alors, droite, gauche. Ah, c'est étrange parce que zoom. Bon. Alors, je vais faire une petite déco roco vite fait, en espérant que ça régène le chunk. C'est en blanc, voilà. Alors, nous avons, je crois, c'est une météorite, je sais pas trop quoi exactement. Alors, par contre, oui, je sais pas du tout comment descendre du bateau, c'est problématique ça. Échappe, non. Ah ouais, quand même. Alors, je peux. Ah, c'est Shift. Ben voilà. L'enjeu serait. Bon, est-ce qu'on peut le casser avec une hache, je crois. Ouais, nickel. Alors, je sais pas trop c'est quoi ça. Alors, c'est avec une pioche en obsidienne. D'accord. Bon, du coup, on n'a pas de pioche en obsidienne pour miner ça. Ah, c'est en pleine énergie. Ok. Alors, on est où là? On est ici. Ah, je voulais bien passer par au milieu. Alors, il commence déjà à faire nuit. Allez, on passe la nuit. Voilà. Allez, plus vite, plus vite. Et du coup, on a dit qu'on voulait aller par là. Enfin, j'ai dit. Vous voyez ça, c'est des petites. Ah, mais c'est ça que j'aurais dû faire. Ah, mais vous savez quoi? On va. Oh. Je vais revenir. Voilà. On va faire le tour comme ça. Non, je vais revenir carrément en arrière. Parce que j'ai. Comme je voulais me lancer dans le Tomcraft assez rapidement, sur la nouvelle version, il y a un objet qu'on va avoir besoin impérativement. Et cet objet-là, il va falloir que je le crafte. Alors, du coup, je vais aller directement en craft 1. Alors, cet objet-là, je le vois pas ici. En tout cas, il va falloir de l'or. Alors, avant de partir en exploration, c'est ça que je voudrais bien avoir. Alors, j'espère qu'on a de l'or. On va voir. J'aurais peut-être faire un petit port ici, ça pourrait être sympa. Alors, shift, voilà. Je crois que le bateau il s'est même retourné. Oh, tant qu'il s'en va pas trop loin, ça me va. Bon, normalement il y a un truc aussi sur Extra Utility. Alors, si je m'en rappelle bien. C'est cet objet qui doit traîner. Ah, excusez-moi, attendez. J'ai éternué, excusez-moi. Alors, c'est cet objet-là. Il faut. De la redstone. Ah, je crois que Bubik avait de la redstone. Oh, ça va être magique, ça. Nickel. Alors là, on a de la laine. C'est du bois. Je vais en reprendre ici, si je vais pas en avoir pour moi. C'était lequel? On va prendre ça. Oh, tant pis. Ah, ça, c'est un objet magique, les amis. Ça permet de couper le son de ces mobs là. Oh,
écouter. On n'entend plus rien. Enfin, si, un petit peu, mais moins. Faudrait que j'en mette plus. Alors, revenons à Tomcraft. Alors, c'est celui-ci. Alors, il faut de la glace et deux shaders. Je sais pas trop quoi. J'en avais vu. Puis le poil 2 ici. Alors, de l'or. Je sais pas si on en a. Non, malheureusement, on n'en a pas. Est-ce que ici, non. Peut-être en. J'ai pas regardé. Là, non. Non, non, non. Ah, il va falloir trouver de l'or. Bon, on va aller chercher de l'or, écoutez. Alors, si, il n'y avait pas d'or. Quoique, peut-être faire un tour là. C'est le trou à Bubix ici. Non, je vois pas d'or. Mais je vois du fer par contre. C'est plus Bubix qui mine que moi. Elle fait des trous à chaque étage. Ah ouais, il y avait quand même miné par là. Ok. Oh, bah écoutez, on va miner aussi à notre tour. C'était pas trop pour ça que j'étais venu. En plus, c'est bien éclairé comme ça. Ah oui, c'est vrai, il a mis des torches comme ça. C'est quoi ça? C'est du yellow. Ok, yellow rythme, je connais pas du tout. Alors pour ceux qui savent pas, pour casser de la du silex assez rapidement ou du sable, vous mettez une torche, vous cassez le bloc et pom. Voilà. Comme ça vous récupérez assez rapidement. Je suis pas sûr de trouver ce que je veux. Par contre, j'ai trouvé du diamant. Bon, je vais le garder le diamant quand on aura une fortune, ce sera plus. Je crois que notre ami Bubux avait trouvé du diamant aussi. Du lapis-lazuli. Youpi. J'adore ce minéral. Je le trouve super joli. Ça se trouve, il doit être pratique sur cette version-là. Voyons voir des blocs de lapis. Oh, du circuit, des. C'est du feu d'artifice à voir. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Du rubis. Alors, que peut-on faire? Une pioche. Bon, c'est tout des outils. D'accord, on peut plus. Bon, bah, c'est toujours ça. Ah bah voilà. Non, ah non, c'est pas de l'or, ça c'est.
Encore du yellow or. Ça se trouve, on peut faire de l'or avec? Non. Je sais même pas à quoi ça sert. Je sens que la pelle va pas résister. J'aime aussi la redstone, c'est une belle couleur, je trouve. Y a trop de minerais, non, c'est pas possible. Du rubis, c'est cool, je vais pouvoir me faire des outils en rubis. Ah bah tiens. On va se faire une pioche en rubis. Hop, on va poser ça là. J'ai pas de stick, mais on va en faire, c'est pas un souci. Alors, durabilité, ok. Alors, du ferro, ça c'est. On en a besoin. Pas pour tout de suite, mais on en aura besoin. Ah, de l'or. Enfin. Et puis de la lave. Qu'un seul, mais c'est pas grave. Ah, cool. Bah sinon, vous savez quoi? On fera ça sur le prochain épisode. Je vais miner tout l'or que je trouve. Ça, c'est nickel. J'aime bien moi quand je trouve des petites grottes comme ça. C'est moi ou j'entends un chat? Ce qui fait ce bruit là? Oula. Ouh, ça c'est pas gentil. Ok, c'est pas un chat, mais un gros tigre. Oh, et ça c'est pas gentil non plus. Comme j'avais pas mon lit sur moi. Je repars ici. Ah là là. La vache. Et en plus il fait nuit tout. Y a trop de... Il y a eu un petit coup de lag. Ah bah, je suis vraiment, vraiment dégoûté. Bon, bah, on va rentrer et puis on va essayer de récupérer notre stuff surtout. Bon, en tout cas, on a trouvé de l'or, un gros tigre, évidemment. Enfin, un gros chat. Un big cat, comme ça se dit en anglais. Tigre, une félin, enfin. Heureusement que j'avais anticipé parce que j'étais déjà mort une fois et j'étais revenu ici pour mettre bah justement le bateau et tout.
pense qu'il faudrait que je revienne pour éclairer le spawn comme ça. Oh, c'est quoi son chapeau, lui? Je suis quand même bouleversé. Bon, bah, vous savez quoi? On va se retrouver sur le prochain épisode. Entre-temps, je vais essayer de récupérer mon stuff en espérant que j'y arrive. Allez, ciao!